Bonsoir, le temps était typique de la saison ce mercredi avec tantôt de belles éclaircies et puis quelques minutes plus tard une forte averse, ce sont les giboulées et c'est tout à fait digne du mois de mars. Demain, le temps va se calmer avec tout de même une perturbation pluvieuse en matinée de la Bretagne vers la Belgique avec également un vent de sud-ouest sensible, quelques pluies également attendues au pied des Pyrénées et puis ailleurs un temps souvent très lumineux notamment du centre-ouest vers les frontières de l'Est. Dans l'après-midi, un temps toujours très lumineux et simplement voilé et sur une large bande centrale du pays. Les éclaircies reviendront également près des côtes de la Manche, toujours ce petit front pluvieux entre le sud de la Bretagne et les Ardennes, et puis des nuages qui vont remonter sur les régions du sud avec quelques gouttes à la clé entre le Languedoc et les Cévennes. Les températures de votre jeudi matin, elles seront en baisse avec quelques gelées blanches localisées pour le centre et pour l'est du pays, et dans l'après-midi, en revanche, elles remontent avec des valeurs souvent bien douces, notamment dans les deux tiers sud entre 12 et 15 degrés. Ça reste un peu plus frais dans le nord avec 8 à 9 vers la Belgique. Vendredi, un temps très lumineux pour les régions du sud et du centre, plus de nuages en revanche dans le nord et vers l'océan avec le retour de la pluie attendue par la Bretagne avec du vent et les températures seront de nouveau en hausse, très douces en cours d'après-midi avec par exemple 15 degrés à Auxerre, 17 à Limoges et à Lyon, 19 degrés dans le Bordelais et ça n'est pas fini puisqu'il fera encore très doux samedi mais le temps sera perturbé, des averses qui vont circuler sur le nord et sur l'est suivies par un ciel de traîne et de nouvelles averses orageuses qui vont se déclencher notamment en fin de journée dans l'ouest et dans le centre, des orages qui pourraient apporter de fortes précipitations et les températures seront très douces pour cette journée de samedi. On attend 14 à 18 degrés sur la moitié nord et entre 17 et 21 pour les régions du sud. Dimanche et lundi, encore des conditions très perturbées avec une perturbation dimanche dans l'est, suivie par un régime d'averses. Des averses qui vont s'installer pratiquement partout pour lundi. Les températures vont baisser, mais elles resteront au-dessus des normales. Et puis pour mardi et pour mercredi prochain, des conditions sont toujours aussi perturbés, notamment pour le nord et pour le nord-ouest, avec de fréquentes pluies. Ça ira mieux en direction du sud-est et les températures vont se maintenir dans une certaine douceur. Demain, nous serons le jeudi 8 mars et nous gagnons 4 minutes de soleil. Bonne soirée à tous et à demain.